Salut bande de chips. Bon, je vous fais une petite vidéo à l'arrache, direct smartphone vers YouTube, pour vous faire une avancée des travaux sur la bergerie. Alors, je vous montre vite fait ce qui a déjà été fait, donc plus de bâches. Pour une majeure partie, même pour la totalité, plus de tuiles. Nouvelle volige, par-dessus les anciennes pour garder l'état d'esprit. Alors on a essayé de conserver là où c'était possible, maximum de vieilles voliges. On a eu un petit problème de mur, je sais pas si vous avez parlé dans une précédente vidéo qui faisait un gros ventre. Bon bah voilà, il a fait un gros ventre, il nous est tombé dessus, alors heureusement il n'y avait personne en dessous. On a trouvé à l'intérieur, on les a enlevés la plupart, mais les restes d'une grosse ruche d'abeilles, enfin pas une ruche du coup, un essaim d'abeilles énorme qui était la légende dans le quartier. On a rangé toutes les pierres, on a rempli avec les gravats et les restes de tuiles à peu près 4 tonnes de... dans la remorque du tracteur du voisin, que voici. On a des tuiles partout, et je vais vous montrer l'intérieur, vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc à l'intérieur, cette zone-là n'est pas encore voligée, mais toute cette zone-là l'est, alors qu'il y a des endroits où on a dû voilà, refaire à neuf, on n'a pas pu garder les vieilles voliges partout. Et donc on voit les fameuses zones transparentes, je vais essayer de faire la mise au point, voilà. C'est du polycarbonate alvéolaire, pour l'instant il y a encore le film de protection. Et donc il y aura 8 mètres carrés d'éclairage partout, les deux côtés. Voilà, donc là c'est pas encore fait. Et autant vous dire qu'on y voit hyper bien dans la grange, c'est super agréable. Bon, pour l'instant tout est bâché, hein, c'est un peu mode Dexter. Il y a quelques trucs qui sont tombés du plafond quand on le faisait. Allez, je vais vous prendre une petite vidéo sur le dessus du... Voilà donc l'endroit où il y a les vieilles voliges. Bon, on met des petits chevrons pour marcher dessus. Et des petits restes de fibreaux, machin chose, là, pour se protéger de la nuit. Enfin, de la pluie pendant la nuit. Et ici, vous pouvez voir les vieilles voliges qui sont gemmées. Donc, c'est-à-dire que la résine du pin avait été exploitée et l'arbre après avait été coupé. Ce qui me fait dire que la grange est d'environ de 1900, parce qu'avant, bah, le gemmage, ça n'existait pas, ou quand ça existait, et ben, il fallait que les arbres soient assez vieux. Voilà, voilà. Prochaine vidéo avec de l'isolant.